Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Notre petit village médiéval dans lequel il y en a quelques petits soucis de réapprovisionnement de nourriture. Ah! Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Voyons voir. Pièce d'or, tissu en laine, planche. Et cire en récompense. Pourquoi pas? Allez, on va. Ça va changer. Hop, 10 soldats en envoi. En plus, c'était une mission très difficile, je crois. Hop, préparer les troupes. Je sais pas si je peux y arriver avec que ça. Non, on va pas tenter le diable, comme on dit. Il reste où il est, le diable? Tiens, allez, on va envoyer plutôt à cette mission-là qui est beaucoup plus facile. Voilà. Un astronome approche. Oh, ça pue les mauvais jours. Ah, c'est con ça, je suis en train de. Ah, j'ai refait une ferme et il va faire mal. Mauvais temps arrive. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'avais fait ça? Je sais plus. Je sais plus. À l'aide de. Non, en vrai. Je crois que c'était pour avoir du blé. Du pain, parce que je suis en train de faire une boulangerie juste à côté. Du fromage. Il n'y avait pas un autre truc. Bah. Oh la vache, c'est du lait de fou là. La vache, j'ai un stock de lait qui est assez important. Et du houblon. Je vais en faire là des champs pour le houblon. J'ai vu que j'ai vachement de lait en stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une autre fromagerie. Bonjour, c'est la fromagerie Baudin. Oh putain, et ce con la ref, les gars. Oh. Enfin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ce qu'on la ref là, la fromagerie Baudin. Ah, ça met bien. Hein. Allez, je vais faire la fromagerie ici. Je pense qu'elle est pas mal. Enfin, surtout, j'espère que c'est pas le même fromage que la fromagerie Baudin parce que sinon, ils vont tous crever un par un. Allez, on va. Bijoux. Ah oui, c'est vrai que ça me débloque vachement de choses. Les nouveaux arrivants. Bienvenue. Bienvenue. Fonderie de verre. Je n'ai pas encore de quartz. Et là, il y a la fonderie d'or. Et les bijoux. La fonderie d'or, je vais la mettre là. Je peux pas la mettre un peu plus proche? Ah, c'est un peu serré dans le coin. Ça peut passer ici en vrai. Oui, elle est bien. Oh, ça coûte cher. 500. Oh, tchou. Et on va faire un atelier de joaillerie. Il est tout petit, le petit, 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 le petit. Allez, à côté de l'église. La boulangerie, elle est faite. Je vais promouvoir quelques petits villageois. Bon, comme d'hab, vous avez l'habitude. Hop. Et on va les envoyer à la boulangerie. Quelques boulangers. Ça va faire du bien. Là, stocker le max. Je sais pas, peut-être que c'est le fait d'avoir des greniers là-bas qu'on régule. Même pas, il est vide le machin. C'est-à-dire que ça a régulé un peu, que dalle. On va prospecter un peu. J'ai toujours pas de quartz. Ça par contre c'est chaud. Le fait que j'ai zéro quartz. C'est pas drôle. Hop. On a le bûcheron qui travaille bien. On a notre planteur qui travaille bien. Oh oui, on avait dit le houblon.
Loublon, 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 il est où, je vois la tête du machin, mais c'est celui-là. Ouais, bingo. Bah, je vais la faire là, hein, écoute. Oh, même là. Ça apporte pas de malus local, donc... Ok. Au niveau des zones de construction... Ouais, j'ai encore une bonne zone de construction, là. Je peux augmenter la zone ici, d'attrait. Construction. Tac, 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 tac. Voilà. Un nouvel arrivant requiert votre attention. On peut peut-être retirer ça. Vingt outils! Ah, crayon de nom. C'est que ça rigole pas. Hein. Voilà, et là je vous présente Ibiza. C'est fini de construire au moins. Ah non, c'est pas fini de construire. Bon, je vous présente presque Ibiza. Encore terminé. C'est Ibi. C'est pas Ibiza, c'est Ibi. Parce qu'il n'y a pas encore le ZA, il n'est pas fini le ZA. Non, non. La maison est en cours d'amélioration. Yeah. Trop bien. Voyons voir. Au niveau. Ah, j'ai beaucoup de gemmes. Hein. Alors. Heureusement parce que ça met beaucoup de temps à s'extraire, je crois, en plus. Ah, j'allais faire une blague, mais pas ouf. Donc je me suis dit, Tiob, la ferme. Vaut pas le coup. Ferme laitière construite. Ok, bah, producteur. On va pouvoir acheter 3 vaches. Et j'ai fait une ferme laitière alors que j'ai déjà un surplus de lait. C'était peut-être pas une fromagerie que je voulais faire plutôt à la place que... Après, s'ils vont tous chercher le lait là-bas, il est où mon lait? Oh, il est là. Ah non, il fait moche. Non. Alors faire attention au mauvais temps. Du bois pour le prévôt, combien t'en veux? Prendons, prenons. Voilà. Oh yes, ça me permet de construire ma fonderie d'or. Et je serai moins indépendant parce que là j'en achète de l'or et c'est pas cool. D'ici à ce que... Est-ce que j'ai le citoyen nécessaire pour le... pour faire le boulot. Non, parce que bon... tonnellerie, ça me sert pas encore à grand chose. Armurier, j'ai tellement d'armes en stock que... Oh, je les vende. Même moche. Ah, ce qui est bien, c'est que j'ai vendu pas mal de bois. Et que j'aurais pas de problème de stock. Ferme de houblon. Ah oui. Hop, on va... que ce sera pas mal. Hein. Vous allez voir, ça va pousser d'un coup. Enfin, ah peut-être qu'ils ont changé parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était bien dégueulasse. On va voir s'ils ont changé la manière de faire. Parce que... Attends, mais ils viennent de loin les fermiers. 261 mètres. Vous voulez pas habiter plus près? En plus, vous avez fait des... Vous pouvez vraiment bâtir à côté de votre ferme. Hein.
Je sais pas. Alors. De nouveaux arrivants. Voilà, oh, B. Oh, la production de B qui. La quantité de B là qui. Dégringole. Vous pouvez avoir un impôt concomitant supplémentaire. Concomitant? Je sais pas ce que ça veut dire concomitant. Attends, je peux mettre un édit déjà. Bonus sur la quantité de marchandises échangées de 80% provenant d'un village avec une allégeance clergé, un tiers d'état. Bonus prix de négoce, 20% provenant. Ça non. J'ai rien compris. On peut changer 80% de plus de. Ouais, ok. Ah, je paye moins 20%. Ah. Ouais, allez, on peut essayer, hein. Donc là, on peut avoir 80% de plus d'échanges en quantité et je paye moins 20%. J'ai bien compris. Oh, j'ai encore perdu des rangs de fou là. Même la noblesse, elle est pas contente. Faut peut-être les équilibrer, je sais pas. Je vais. Ah merde, il y en a encore là. Ah ouais, faut un sacré rang. Indispensable à venir. Ok. Oh, triste. Il trouve que de la pierre et j'ai pas beaucoup. Il me reste que deux gisements là. Hein. Peut-être falloir trouver autre chose que de la pierre, mon ami. Hein. Falloir mieux prospecter que ça. Je sais pas où ils sont là. Ouais. Aïe 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 aïe. Un pot de pierre. Ouais. Aïe 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 aïe. Ok, là on commence à avoir de la baie du poisson. Toujours pas de pain ni de viande. Ouah! Ça, c'est du stock de viande. Hein. Là, il n'y a que du poisson qui nous herbe. C'est pas fini, ça? Putain, il manque. Il manque rien. Laisse-moi deviner. J'importe plus d'or ou un truc comme ça, bah, acheter jusqu'à ce que route commerciale. Bah alors. Ah non, je peux pas leur en acheter, c'est eux. Il me faut 20 manuscrits. Ah, vache, ah oui, ils en font pas rapidement en plus des manuscrits, les moines. Hein. Les moines et les nonnes, manuscrits, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Hein. Où est-ce que ça se stocke les manuscrits? Non parce que. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas où est-ce que ça se stocke. Dans une bibliothèque ou ça reste dans l'abbaye ou. Je sais pas. Ils ont pas prévu de trucs de stockage quand même. Bah. Bon. Oh, ça fait baisser la BA. Oh la bouffe par contre. Oh le pain. Oh ah la vache.
Ah, il y a du pain, hein, en veux-tu, en voilà, mon ami, hein. Aucun problème. Matière première, manque de matière première. Chez le boulanger, tu déconnes? Ah ouais, non, tu déconnes pas. Oui, mais non, c'est normal. Alors non, c'est pas normal, tiens, j'ai plus de blé, j'ai pas assez. Je vais pas en faire un troisième moulin, faut pas. Ils vont quand même pas me demander un troisième moulin, ces cocos. Bah. Mais enfin, mais quelle idée! Fonderie d'or, alors, tu as des citoyens, toi? Ouais, c'est ça, deux citoyens. Non, c'est pareil, les citoyens, ça va attendre un peu. Quoique j'en ai besoin, donc si fonderie d'or, bon. Félicitations aux deux premiers de la liste, comme d'hab. Statue, statue, statue. Bah alors. Dans le sens? Mouturier. Oh merde, j'ai pas forcément tous les noms. Albéric. Félicitations Albéric, tu es promu. Vas-y, Léo, c'était mon bailli, donc déjà, t'as une bonne place. Tu vas y rester un peu bailli, toi. Je suis désolé, Basilius. Tu vas y rester. Hop. Alors, j'ai deux citoyens supplémentaires. Donc, c'était un tailleur et un maître d'œuvre. Non. Un tailleur et un boulanger. Donc, tailleur, boulanger. Et vous nous travaillez en tant que fondeur d'or. Belle promotion, quand même. Vache. Tu passes des vêtements au pain et t'arrives dans l'or. Hein, c'est ouais. Voyons voir. 200 emplois. Je vais avoir besoin de leur remettre ce qu'il faut. Donc je suis le boulanger ici. Et bah, il est où le tailleur? Le nombre de marchands qu'il y a, c'est terrible. D'ailleurs, bah c'est. Non, docteur Matt, il est plus là. Il faut embaucher quelqu'un. Allez, faut embaucher quelqu'un. Il est plus là, docteur Matt. Il est plus là, il est parti travailler à la fonderie. Allez. Non, non, il veut pas. Ah oui, par contre, la fonderie, elle est pas proche de chez toi, mon ami docteur Matt. Tu vas. Vous allez déménager, je pense. J'ai qu'un seul tailleur ou voilà. Vous voyez que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'endroits pour faire de tailleur. Ils sont où les vêtements? Ils sont là. Oh, ils sont bien. En pierre taillée. 215 outils. Ah oui, on en produit. C'est bien ça. On va en vendre dès qu'on a plus de 100. De 200, allez. Histoire de se dire, on a de la marge. La viande. Ben on s'en fout, c'est désactivé. Fer, minerai d'or, ou ça, ce sera vendre. Et ça, ce sera vendre. Mais là, ça passera à 200. 200. 200. Marbre de sang. Et les épées. Les épées, c'est bon. Les épées, on va pouvoir les vendre au-dessus de 100 quand on en fera un peu plus tard. Vivement les beaux jours là, parce qu'au niveau de la baie, ça baisse très très vite. Oh, et j'avais pas vu mes 300 de population tout pile. Magnifique, soyez les bienvenus.
Attends, 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 attends. Je taxe pas les moulins, je taxe pas les tavernes. Impact sur les taxes, et ça me fait combien de différence? Ouais, pour deux moulins et deux tavernes, je préfère pas taxer et garder... Non, et garder que les mines. Bon alors les gars de la fonderie. Fondeur d'or, fondeur d'or. Voilà, vous avez déménagé, là vous deux, c'est très bien. Oui, par contre, pour le divertissement, vous allez be avoir besoin d'aller très loin là. Je suis en train de me dire là, la taverne. La taverne, elle est pas à côté. Oh la vache. Me demander mais est-ce que ça vaut pas le coup que je refasse une là mais pas donné quoi une taverne hein. Alors vraiment un truc basique quoi un truc vraiment minime c'est en plus avec les citoyens et tout là qu'il va y avoir ici On n'a pas amélioré la taverne, il n'y a pas un jour, un jour. Ah, des jours meilleurs arrivent. Taxe sur les forges. Non. Bureau des impôts, il y a pas. Ils sont où les trucs à taverne là? Ok. Bon, je vais voir pour faire une mini taverne à côté de l'église. Ça marchera bien. À la sortie de l'église, c'est pas le bar, c'est la taverne. À la sortie de l'église, c'est parfait. En train de venir. Attends, qu'est-ce qu'il a découvert lui? Oui, du quartz! Alléluia! Voilà, c'est les cloches ont sonné et le quartz est apparu. Impeccable. Faites sonner les cloches tout le temps, les gars. Allez, sonnez les cloches. Voilà. Par contre, c'est compliqué au niveau de l'argent. Manque de matières premières. Ça devrait arriver. Ah oui, mais là j'ai mis un deuxième boulanger et c'est aussi pour ça que ça manque de matières premières au niveau d'un boulanger. Ah voilà. Le houblon. Là tu récoltes, mais tu vois pas la différence quand c'est récolté que c'est pas récolté. Moi je la vois pas la différence. Je la vois même pas du tout. Après tu me diras, attends, ça a changé de couleur là, non? Ça, je suis pas fou. Ouais, si, je crois que je suis fou. Non, je suis surtout très daltonien là. Oh merde. Ouais, ça, au début je croyais qu'il y avait une chèvre ou un truc comme ça là-dedans, là je me dis bah merde, c'est pas normal.
Taverne, la taverne, la taverne, la taverne, ouais. Ah, une belle fréquentation, mine de rien. Ressources assignées. Oh, c'est vrai que j'ai pas mal d'autres choses. Hein. J'ai un peu de vin, j'ai pas de la bière que je suis allé choper là, des missions. Mixture de B. Ah si, il y a de la bière. Ah oui, voilà, il y a de la binouze. Voilà, les gars. Je vous sers de la bière, franchement. Là, tout le village. Ouais, voilà, le villageois, le village, il est heureux avec de la bière. Ah, c'est impeccable le timing. Ah bah oui, de la bière, ça rend tout le monde heureux. Ah, ça me met bien, ça. Tour pas fini, ça. Ah oui, mais non, c'est parce que j'ai pas encore de lingots d'or. Ah, c'est parce que ça commence à être fondu, les lingots d'or. Oui. Là, par contre, c'est long à faire. Ouais, mais c'est au niveau 1 aussi, ça va pas aider. Et puis en plus, ils ont 20 milliards de trucs, là, de divertissement. On va passer du temps dans une taverne pour se détendre. Ouais, bon, je suis obligé de faire une taverne. Bon, on va faire une taverne. Bon, je peux pas trop la faire à la sortie de l'église, il n'y a pas trop de place. Mais je peux la faire juste à côté de l'église. Ils vont aimer. Non, en vrai, je vais la faire où la taverne? Je peux la faire en bas. Hein. Juste par là. Salon public. Un hall raffiné. Nous allons faire un hall raffiné. Avec une jolie... Ah bah merde, alors oui, bon, par contre si je le mets là. D'un coup, est-ce que personne ne puisse rentrer? Pas ouf quoi, ils vont dire, je comprends pas, on n'a pas l'entrée. Bon, j'y vois que dalle par contre, hein, c'est toujours pareil. Voilà, ça va être mieux comme ça, de la vue du dessus pour l'instant. On peut pas faire de cheminée, très bien. L'emplacement, on va le mettre là. Passerelle et tout, j'en ai rien à foutre, moi. C'est de la déco, terrasse raffinée. Oh, ça c'est bien ça. Une petite fenêtre, quelques petites fenêtres de toit. Moi j'aime bien. On va faire construire. Là je vais ajouter parce que j'ai fait quoi? J'ai fait. Je fais salon public. Comptoir de service. Hop, juste derrière, j'en rajoute un. Oh putain, alors ouais, ce serait bien si c'était. Un petit comptoir de service. Ah, je vais devoir attendre qu'il soit construit. Oup, allez, on essaie de remettre ça comme il faut. Au niveau de la caméra. Voilà. Pas mal de minerais d'or en stock. Bon alors les gars, ça travaille? Ça va? Wesh, les minerais d'or? Tu veux du bois? Allez, prends ton bois, le roi. Non, par contre, pourquoi j'ai genre 0 de... Ah, voilà. Ils vont te chercher loin ou... Il y en a ici du minerai. Moi, je vais tout remettre en normal. Je sais pas si ça a changé grand-chose. On va voir si ça va changer des choses. Si ça redéconne, c'est que c'est pas bon. Ça déconne pas, c'est que c'est bon. Oui, stockage, stockage. J'ai du houblon. C'est vrai qu'il va peut-être falloir que j'en fasse quelque chose du houblon, moi. Tac, 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 tac. J'en ai d'autres ou pas des... Il y a de stockage dans le coin. Ouais, mais non, je crois que j'ai pas touché à ça. J'ai vraiment touché que pour la bouffe. Tac, 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 tac. Hop là.
Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je n'ai pas un autre? On dirait pas. Ok, on a la production de lingots d'or. J'espère que le prochain épisode, on aura fini notre statue là. Oui, il me fallait un truc non, pour faire de la bière, je crois, c'est ça. La brasserie. Ah, il faut du blé à la vache. Bon, on va foutre la brasserie en plein milieu. Et surtout, on va avoir besoin de deux fermes à blé supplémentaires. Ferme de blé plutôt, ferme de blé. Parce qu'il va falloir une bonne production. Alors, on aura tous nos champs dans le coin. Ben, on va se laisser ici. Ah, juste après l'audience pour l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Démêler la taxe mystère. Vous apprenez que Davenport impose une nouvelle loi de taxation sur les biens échangés. Les détails sont un mystère, mais vous savez qu'elle génère des profits considérables sans affecter le commerce. Vous parvenez à percer son secret, une telle taxe pourrait grandement profiter à son village. Nous le découvrirons au fur et à mesure de nos échanges. Au bout d'un moment, quand j'aurai échangé des ressources d'une valeur de 1000, ça sera bon. Eh ben allez, on va se finir. Non, oh là, oh. On va finir là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob.